Sophie Davant en a énervé plus d'un ce vendredi 27 septembre dans Affaires conclues. Et c'est son comportement très limite avec un candidat qui a fait vriller les téléspectateurs. S'ils sont nombreux à regarder Affaires conclues tous les après-midi sur France 2, les téléspectateurs commencent à voir rouge. La cause, Sophie Davant. Aux commandes de l'émission d'Enchères depuis sa première diffusion en août 2017, l'animatrice de 56 ans est de plus en plus à l'aise et s'amuse comme une folle. Enfin, ça dépend des fois. Si elle peut se tordre de rire après une blague graveleuse faite par un candidat, elle peut aussi se montrer froide et assez insupportable avec des candidats. Ce qui est exactement arrivé au pauvre Guy ce vendredi 27 septembre dans l'émission. Sophie Davant jugée méchante et impolie par les téléspectateurs originaires d'Épinal, l'homme de 79 ans venait présenter une collection de 12 salières ayant appartenu à son papa. Très content de participer au programme, il n'a d'ailleurs pu cacher sa joie en rencontrant en chair et en os Sophie Davant. Un plaisir qu'elle n'a visiblement pas partagé. Si cette dernière lui a cédé une bise du bout des lèvres après avoir su que Guy en rêvait, elle ne s'est pas montrée très sympathique par la suite. Peu réceptive aux compliments du candidat, Sophie Davant est même devenue « impertinente » et « impolie » à en croire les téléspectateurs. Et le coup de grâce a été donné quand elle a fait comprendre à son interlocuteur qu'il était trop bavard. S'en est suivi un flot de critiques sur Twitter, qu'elle est méchante, pauvre papy, elle lui a coupé la chic. Une fois de plus, ou encore, quelle impertinence, on ne lui a pas appris la politesse. Des commentaires qui ne risquent pas de lui faire plaisir, c'est quoi cette arrogance, de couer les gens. Est jolie regarder, elle n'est ni intéressante, ni intéressée, ni empathique, ni sympathique, si elle se marre et se moque, ca c'est cool, sauf si c'est vous l'objet de ses queries. On ne lui a pas appris la politesse. Let it go.